go. Et coucou YouTube. Et salut YouTube. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve. Ah d'accord, Kiné, tu restes même pas pour mon show. Okay. Voilà, messieurs, c'est ça d'être streamer. Il y a des gens qui s'en foutent et qui retournent se coucher. Voilà, c'est ça. J'espère que vous allez bien sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau show de la EWF. Et Titi, je te laisse prendre la parole à partir de maintenant. Et on arrive sur le dernier show avant mon pay-per-view qui arrive donc demain pour vous sur YouTube. Et qui arrive juste après pour vous sur Twitch. Voilà. Donc on va commencer les news chez Papy. Avec des très très tout bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Merci Rip pour le don de 1€ avec le message coucou YouTube. Ah ça mais je vais mélanger donc si je suis pas très bavard c'est normal. Benjamin bavard. Oh putain. N'hésitez pas à liker pour cette blague. Hein. C'est... Ou à mettre un pouce rouge pour cette blague, c'est comme vous voulez. Eh merde. Finalement, je ne reste pas. Je peux te comprendre. Ah, attends, avant que tu ailles te coucher, Kiné. Oh, la prolongation. Oh, ben, je pense que ça va être un grand oui. Hein. Oui, mais bon, dans le doute, je préfère quand même lui demander. Vas-y. Voilà. Je me serais attendu à une plus grosse réaction. Mais... Bah, c'est quelqu'un de chez lui, c'est pas quelqu'un qui a gagné après d'âpres négociations, donc ça, je peux comprendre. William Regal. Ah, chez Niwa aussi. Niwa. Oh Niwa. Marc-Henri. Alerte au doux. Marc-Henri. Mais. YouTube est un site web d'hébergement de vidéos et médias sociaux sur lesquels les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming. Je vais passer sur l'écran. J'adore Lee et Jared de Karine. Mais qu'il est con, Eric. Merci beaucoup pour ta idée. Bordel. Voilà. Bordel. C'est fun. C'est fun. Bon, en tout cas, premier show très sympa. Ah, tiens, un gars de chez Niwa, ça, Sanada. Oui. Ah, et des incidents chez Titi. Alors, nous avons Aigle Blanc. Tu as activé TTS, je veux pas résister. Bon, Aigle Blanc est un mec très amical, très joyeux, c'est bien. Alors, je l'avais pas plongé, et toi, tu avais plongé par toi-même, je m'inquiétais pas trop. Ah. Oui, c'est vrai que les patrons peuvent prendre des décisions. Oh, ok. Oh, ok. Alors... Oui, c'est vrai que c'est Roman, le chef de mon... Ah, elle est l'honneur et elle pleure. Elle pleure à propos de... À propos des trucs tout le temps et que ça ruine un peu le mood. Oui. Et donc le juge Roman s'est empressé de lui dire d'aller acheter de la boisson pour tout le monde. Parce que. C'est fun la c'est boisson. C'est fun et il faut boire. La boisson résout tous les problèmes, mesdames, messieurs. C'est ça. Alors... Je passe en l'heure. Des bisous, Eri. Encore merci. Encore des merci bisous. À toi. Et des YouTube. Bisous. Oula. Et YouTube, qu'est-ce qu'il va dire ? Encore une définition ? Ah non. Viendez sur Twitch. Effectivement, c'est sur Twitch qu'on fait tout le truc de la corp. Voilà, donc, merci beaucoup, Eri. Des bisous à toi. C'était cool de t'avoir là. Oui. C'est plus chef de la meute, c'est le juge de la Fed. Oui. Bande de gens. ça fait intro. Je me rappelle de quelqu'un qui disait « Salut, bande de gens ». Je crois que c'était... Je sais plus quoi, c'était qui sur YouTube qui avait une intro comme ça. Mais j'ai un souvenir, c'est... Voilà. De Paris, on va éviter. Zénith Sud à Montpellier. What the cut. Ouais. Alors, peut-être que c'était lui, mais j'avais le souvenir de quelqu'un d'autre, moi. Mais... Je sais plus. Je sais plus. Du coup, on va partir ici, au Zénith de Montpellier. Montpellier. Oh là. 6300 personnes, ok. Et eh ben ouais. C'est parti. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour prendre les points de chaîne pour le match pour le titre internet. Vous avez la récompense aussi là, je l'ai activé, je l'ai créé pour. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Voilà. Salut bande de manches à balai. Ok. La suite est censurée pour YouTube.
On va commencer par un petit angle. Ah, et Niwa récupère la récompense. J'ai pas mis qu'il y avait commentaire obligatoire, donc Niwa, je te laisse nous le mettre en commentaire en dessous. Donc, c'est She Battle Champion. Ouais! Les champions et les gens prévus pour le. Oh! Oh! Ok. Alors, par contre, juste un match de championnat en unsanctioned, c'est un peu particulier. Parce que unsanctioned, techniquement, qu'est-ce qu'un unsanctioned match? C'est un match qui n'entre pas dans les records dans les livres d'histoire. D'accord. Dans les stats. Ah, j'ai oublié de mettre qu'on pouvait récupérer qu'une fois. Merde. Alors ça, tu serais arrivé deux minutes avant, c'était mon main event chez moi. Oui. Voilà, c'est ça, c'est chez Niwa. Chez Papy, pardon. Chez Niwa, super. Et en plus, les deux n'ont pas de chemistry, c'est terrible. C'est ça. Non, c'est Orton qui a gagné en plus. Ouais. C'est pour bien briser le cœur de Riran jusqu'au bout. Et donc, on va commencer avec un angle... C'est pas réaliste. Regarde SummerSlam et No Mercy 2005. Un Holds Barred, ce sera plus logique. Ok, ce sera Cesaro contre Shibata en Holds Barred. Et donc, Daniel Bryan et Finn Balor qui vont venir parler au micro, tous les deux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce qu'ils ont un match bientôt, lors du prochain pay-per-view, demain. Contre les Ouzo pour les titres par équipe. Ils vont venir un peu taunt les Ouzo en disant que eux ils font partie d'un grand clan, que c'est pas un clan perdant parce qu'ils ont quand même les champions spécialistes et champions du monde dedans. D'accord. Donc ils sont sûrs à 2000% de leur victoire lors du pay-per-view. Mais ils vont se faire interrompre par quelqu'un, mais pas quelqu'un qui est pour l'instant officiellement dans le clan, mais un certain Rikishi qui va venir interrompre tout ça. Et leur dire que tout simplement, ces nouveaux clients, les Ouzo ainsi que Roman et Shinsuke Nakamura, qui se présentent comme le nouveau manager du clan en fait de The Tribe, et que tout simplement les Ouzo vont tout simplement les éclater lors du pay-per-view. On va vous éclater, frère. C'est ça. Hop, donc lui il va être jugé sur la menace. Bon, en tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée dans le chat, que vous mourrez pas trop de chaud, et si c'est le cas, faites attention à vous. Je sais que je suis en train de décéder personnellement, c'est... Le décès par décès est assez énorme, hein, on va pas se mentir. Donc, je vais l'ajouter tout de suite à la carte, le match pour le titre. En No Holds Barred. Attends, faut que j'aille chercher dans tous les matchs. Ça met un peu de temps à charger. Oui, VDE, notre solution est un petit peu en mode lagouille ce soir. Oui. Alors. Tu cherches Street Fight, c'est ça? Le No Holds Barred Oui. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, note-le, tu gagneras du temps. Oui. Ah, ça n'existe pas. Essaye d'enlever le S. Non, il n'y a pas. No Holds Barred, No Holds Barred, c'est un match en disqualification, en fait, hein, si tu veux mettre ça. Ou alors, Niwa, si tu as une autre idée de stipule, en attendant que Titi mette les gens sur son... Ça s'enlève pas les gens, donc tu peux déjà faire mettre tes consignes, tout ça, et voilà. Et donc, alors, ce sera pas... Itsuori Shibata contre Cesaro. No disqualification, ok, parfait. Ok. Hop, un petit match d'un quart d'heure entre les deux. J'avais demandé quelles sont les motivations de ces deux-là, mais j'oubliais que c'était match de Niwa pour le titre, putain. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, sur YouTube, vous voulez pas, ça fait 4 nuits que je dors très mal. Donc, mon cerveau tend à déconnecter un petit peu. C'est pas grave, ça arrive. Nous allons donc avoir
notre main event la semaine dernière, Jimmy a affronté Daniel Bryan. Ok. Cette semaine, ce sera Jay Uso contre Daniel Bryan, contre Finn Balor, pardon. On switch les frères, hein, c'est... Voilà, ça. Oui, je sais qu'il est blessé, c'est pour ça, je vais pas faire un match trop long. 15 minutes, on slow build, et ça ira très bien. Hop, slow build. Et avec une victoire de Finn Balor. Bah alors, quelle victoire! C'est... Ouais, désolé, je sais, ouais. C'est navrant tout ça. Vous avez le droit, hein, vous avez le droit de le dire, j'en suis le premier, désolé. Hop, nous allons avoir une interview in-ring d'une certaine Toni Storm, la championne du monde actuelle, qui va venir tout simplement taunter Kairi Ojo, sa challengeuse. Ok. Alors, Niwa qui met deux emotes à la suite. Pourquoi ces deux emotes, Niwa? La première, je pense que c'est pour ma blague, ce qui serait compréhensible. La deuxième, j'ai du mal à la comprendre. Oui, moi aussi. Et Toni Storm va venir donc. Les deux sont pour ma blague. Oh, Ah! C'est après les missiles que tu nous as balancés cet après-midi quand on joue à FIFA que t'oses me dire ça, sérieusement? C'est la vraie vie là! Alors ce sera pas Pat McAfee parce qu'il est au commentaire. J'avais oublié ce petit. Hop, ça va être monsieur Stu Bennett. Stu! Pure Wade Barrett. Ah. Et donc Toni Storm qui va venir taunt Kairi en disant que demain lors du pay-per-view elle va rester championne et que de toute façon il y a 0% de chance pour que Kairi obtienne le titre parce que Kairi est tout simplement une perdante et qu'elle c'est tout simplement celle qui a battu Yoshirai pour la première fois et qu'elle est championne et qu'elle compte le rester très longtemps. D'accord. Voilà. La compréhension et la déception d'avoir compris. Nous allons avoir un autre match. Et là, ça va être pour préparer un peu le prochain main event. Pour le main event du prochain pay-per-view, pardon. Et donc, monsieur Adam Cole, le champion du monde, va venir affronter... Ce sera le petit Kyle O'Reilly, son pote. On s'affronte dans un petit match de 16 minutes en storytelling avec la participation ringside d'un certain Kevin Owens, l'ancien champion du monde et le prochain adversaire de monsieur Adam Cole. Ok. Adam Cole va gagner logiquement avec une domination. Une domination complètement, d'accord. Oui, oui, oui. C'est assez rare. Quand même. Oui. Qu'est-ce que tu veux pas faire passer comme message avec la domination du coup? Quel est le. Que tout simplement Adam Cole n'a plus aucune compétition dans cette fédération et qu'au moment du tombé, il va regarder fixement Kevin Owens et. Va lui faire comprendre que ce qui est arrivé à Kyle O'Reilly ce soir, c'est ce qui va se produire dès demain lors du pay-per-view. Adam Cole victorieux et Kevin Owens au sol. Kevin Owens au sol. Hein. Et, mesdames, messieurs, il a été sur Twitter, Kevin Owens, il y a eu un truc qui l'a fait trop rire et il a été au sol. Ça grince, c'est chez moi que ça grince un peu. C'est la hanche de papy, faut l'excuser. Non, c'est mon cerveau qui tente de connecter les deux bouts là ce soir, c'est... Non, plus sincèrement, c'est des gamins qui jouent, je crois que c'est un vélo qu'on entend. Mais comme je vous l'ai dit, avec la reverb chez moi, voilà, c'est assez fou. Et Niwa fait la même blague que toi et il a écrit en même temps que tu l'as dit, je crois, parce que c'est pour ça que ça fait rire. Bienvenue chez La Corp, hein, la chaîne du timing. C'est ça. Oui, je ne veux pas de décision. Et ensuite, nous allons avoir un autre petit combat. Un autre petit match en 2 contre 2.
d'un petit tag team match entre Roman Reigns et Shinsuke Nakamura contre hop, on va exclure ceux qui sont déjà présents, contre les Lucha Bro. Lucha Bro. Parce qu'officiellement, ils sont encore ensemble dans la même équipe. Et donc, Roman Reigns veut que son poulain, le membre de son clan, ait une victoire avant d'affronter Keith Lee lors du pay-per-view dès demain. D'accord. Oula. Alors, Titi, ton micro a lagué là d'un coup. Ah. Allô, allô. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon? D'accord. C'est un petit peu chelou. C'est un petit peu lagui ce soir. Moi, Mako va très bien, mais... Et donc, hop, poste... Et donc, après le match d'Adam Cole et de Kevin Owens et de Kyle O'Reilly, c'est Kevin Owens qui va venir attaquer Adam Cole dans le dos au moment où il sera en train de célébrer Bullet. Ok. L'attaque du challenger sur le champion. Il me reste 31 minutes. Bon, on va devoir improviser parce que j'ai plus rien de noté. Ah le booker préparé ici, vous pouvez tous se conspuer, mesdames, messieurs. Si, j'avais un autre truc de prévu. Je coupe ma cam 2 petites secondes, j'arrive. Vas-y, vas-y. Non, c'est celle du dessous. Ah, oui. Bon. Vous avez un petit décor ici, hein, c'est... On va avoir une certaine Ronda Rousey dans le ring parce qu'elle avait affronté Athena lors du pay-per-view pour le titre européen. Elle va venir et elle va affronter Mia Yim dans le ring. Petit match d'un petit quart d'heure entre les deux avec une victoire de Ronda quand même. Hop, par soumission. Ce sera juste là, après le taunt de Tony Storm. Et ensuite, non, ça ne va pas être un match. Ça va être un angle... Alors, 4 participants. J'ai un peu mieux. Heureux. Désolé. Heureux. Ouh, mon Dieu. Hop là, me revoici, me revoilà. Voilà, je sais pas pourquoi ça va même déplacer ma cam alors que j'ai rien demandé. Voilà. Parfait, voilà. Mais quand même, avant le... Non, je vais pas le faire comme ça. Bon, et vous dans le chat, ça fait quoi de beau ce soir? Pour l'instant, au-delà du live, peut-être que certains ont d'autres choses de prévues ou de... je sais pas. Tout... Avant le début du match entre Jay et Finn Balor, ce soir, il y aura les Ouzo qui vont tenter d'intimider Balor et Daniel Bryan. Ça regarde le stream et ça surveille McLaren et Alpine. D'accord. Ouais, en effet. Je peux comprendre. Je peux totalement comprendre. Et on va rajouter un petit match
De 9 minutes. Quoi? Entre Johnny Gargano et Dominique Mysterio. Hop. Avec une victoire de Johnny. Qui va être placé ici. Voilà. Mon show est prêt, monsieur. Le show est prêt. Eh ben, regardons ça. Incroyable. Hop. Ok. Voilà. Rikishi qui arrive pour ses débuts et il fait nappe. Bah yes. Oui. Ça donne envie, ça, messieurs, dames. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Au moins, Ok. sa gimmick est passée, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien. Joli. Bien. C'est bizarre. Du coup, ta miniatique, 1-2-1-2, qu'est-ce que c'est, bordel? Ce sera le main event Jeuso contre Bella. Voilà. Ok. Rikishi Bata qui bah, défend son titre. Il réussit à D'accord. défendre son titre dans une performance assez égale entre les deux. Un bon match pour commencer à 70, c'est très bien. Hop, l'angle qui marche bien, ok. Enfin, moyennement, mais pour moi c'est bien. Ok. Hop. Le petit match pour Ronda Rousey qui vient soumettre avec son armbar Mia Yim. En effet. Performance assez égale alors que Mia Yim n'a pas du tout de pop. Je... Ok. Je sais pas si c'est plus évocateur pour Miaim qui a surperf ou pour Ronda qui a sous-perf, en fait, c'est ça le Oui, problème. c'est ça. Oh, Ouh! joli. T'as mes Phoenix. Ah oui, non mais lui, depuis le début, il fait des perfs, c'est incroyable. Ray Phoenix en solo! Ray Phoenix en Ah solo! oui, j'y pense, j'y pense. J'ai des plans. Ok. Bon match, bonne perf de Gargano. Et Maria, qui est la manageuse de Mysterio, qui a fait un bon boulot en ringside. Ok, c'est bien. Oh Bon, le la match. perf d'Oreilly! Ah oui, bah oui, Oh, on se demande pourquoi il est jobber après. oh dur! Ah oui, ok. Bah, joli angle. Ouais? Très très joli. Aïe! Aïe! Aïe aïe aïe! Ouf! Ouf! La story, heureusement que tu n'utilises pas de storyline comme officiellement sur le jeu, parce Oui. que. Et voilà quoi. Oui, Ah! Ah oui, oui. Bah Baylor qui oui, est toujours la blessé. blessure, ouais. Ok. Bon, bah, ça reste, malgré ça reste un bon match entre les deux. Ça va, pas de Pas tant de soucis. plus, bah, comme d'habitude, quoi. Ok. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, sur YouTube, après ce second show qui est celui de Titi, on vous fait des bisous, n'est-ce Des pas? bisous. N'hésitez pas à passer Un sur clap de Twitch, fin. tout ça, le L clap de fin. Et voilà, donc on est sur Twitch. Alors, les jours pour la Bicorp Posting sont susceptibles de changer sur Twitch, mais sur YouTube, ça ne vous changera pas grand-chose dans l'absolu. Ça va dépendre de certaines choses qu'il faut qu'on traite en interne. Mais C'est ça. vous serez au courant bien assez tôt. Sinon, bah des bisous et puis on vous dit prenez soin de vous, gaffe à la chaleur et puis voilà quoi. Des bisous, ciao ciao. Bisous, ciao ciao.